quelles sont les pièces plus innovatives dans cette collection-là, Beauté du monde? Cette pièce est intéressante parce qu'elle est à la fois d'une forme géométrique, mais aussi une allusion animalière évidente. Et en fait, la technique ici, c'est toute cette petite partie géométrique réalisée l'une séparée de l'autre et articulée les unes par rapport aux autres, avec ces légers vides que vous voyez, qui non seulement, comment dire, ont une vocation esthétique, c'est-à-dire que ça allège énormément la pièce, mais une vocation technique parce que c'est là que l'articulation se fait. Oui, c'est ce que je vois en celle-là aussi. C'est aussi asymétrique, c'est ce qui est comme la nature, c'est parfait mais imparfait. Alors là, on est sur un dessin qui fait penser à une cristallisation. Donc on a cette forme de ces cristaux qui émergent et qui font penser effectivement à une architecture. Oui. Mais donc, à l'origine, ce genre de forme est présent dans la nature. Mais chez Cartier, un des prérequis pour parler d'élégance, c'est le fait que la pièce tombe parfaitement. C'est à la fois un respect de la personne qui le porte, mais c'est aussi vis-à-vis des personnes qui le verront porter, qu'on salue effectivement cet objet. Et il y a un autre aspect auquel on pense souvent aussi, c'est le poids. Parce que très souvent, les pierres ont un certain poids. Et quand vous avez un collier important, donc vous accumulez le poids. En revanche, il y a toujours un équilibre à trouver pour que la pièce soit présente. C'est-à-dire que le poids peut ne pas être un inconvénient. C'est-à-dire qu'il est aussi intéressant pour la femme qui va le porter de le sentir. Et donc, il y a un moment où le poids est aussi un atout.